C'est Lumière 53, on se retrouve pour le deuxième épisode de mon espèce sur l'ombre de la guerre. La dernière fois, on a fini une des quêtes, le début des quelques sur de la quête principale. J'ai farmé un peu des épées. Surtout en j'ai gagné une nouvelle épée, un marteau et une armure. Et je le trouve plutôt bien stylé. Là, on va s'attaquer à la deuxième quête principale. Pardon, pardon. C'est parti, la pierre de vision. Mina City est assiégée, toutes les peut trouver plantures à que la cité soit perdue. Ah, ok, c'est parti. Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux seulement. Nous devons tout sauver. Idril, il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Hé, vous ! Qui êtes-vous ? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Bonjour. Un grand défenseur de Mina Sithil. Mais nous ignorons votre nom. Talion. Le Gondor vous remercie, Talion. Mais nous avons besoin d'hommes dehors. Non, les Uruk cherchent le Palantir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il ? Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les Uruk démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres. Mais nous n'abdiquerons pas. Et nous ne tomberons pas. Pas question. Trop tard, ça commence déjà à le casser. Ok, j'arrive. À l'abri ! La tour se fait attaquer. À la porte ! Je dois défendre les portes. J'arrive. Tous aux portes, et vite ! Alors il faut trouver le Palantir. C'est le seul moyen. Ne le laissez pas passer. Découvrir ton flanc. Tac, tac. Oh yeah, toi tu m'auras pas toi. Toi non plus. Ton martel. Voilà, un de moins. Ça c'est fait. Ce n'était que le début. Il y en aura d'autres. Nous devons découvrir à qui nous avons affaire. Par ici. Attendez, j'arrive. Nous pourrons voir toute la ville basse une fois que nous serons arrivés là-bas. Ouch. Ouch. Vise dessus, les enfoirés. Enfoirés, le balance de bombe de gueule. Hey, allez! Là. La ville ne tiendra plus longtemps. Je m'occupe des bêtes de siège. Baranor et moi, nous restons ici. Laisse-moi m'en occuper. Talion, nous devons nous emparer d'une des bêtes de siège. Ça devrait être intéressant. Ouh, explosé. Je lui ai explosé un de ces trucs. Ces explosifs devraient nous permettre de dompter la bête. Je peux bien. Tiens. Ah non, c'est ça. Hop. Voyons ce que je peux en faire. Les voilà. Thank you.
Salut. Dommage que nous ne puissions pas l'enlever. C'est une arme de poids. Ne perdons pas de temps. Ça devrait servir. Si Mina City tombe... Alors ils ne tarderont pas à mettre la main sur le Palantir. Je pensais au Gondor. Allez, monte. Je sais quoi faire ici. Encore des ennemis. Ces hordes n'en finissent pas. Les armées de Sauron sont devenues immenses. Nous ne pourrons pas les vaincre de façon conventionnelle. Faut le palantir. La bête de siège. Cette bête débile, impossible. Allez. Tac 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 tac. Hop. Nous les avons repoussés pour l'instant. Une autre attaque suivra sans doute. Retournons dans la ville haute. Allons voir comment vont Idril et les autres. D'accord. Ils ne se contenteront pas de nous détruire. Ils cherchent à effacer toute notre histoire. La pauvre. Au moins, ils n'ont pas la pierre de vision. Les portes résistent. Ces reliques étaient tout pour moi. Père avait raison. Sauvons tout ce qui peut l'être. Vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi. Servez-vous-en. C'est bien trop dangereux. Le Palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait lui résister. Moi si. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Et si j'ai tort, j'échouerai comme les autres. Mais si je vois juste... Nous gagnerons cette guerre. Je vais aller voir mon père et lui parler. Ok. Elle vous fera tenir parole, Rodeur. Ah, c'est bien. Plutôt sympa. Yeah. 2 ans et demi de temps, j'ai eu plus 100 milliards. Yes. Tu lui accordes toute ta confiance. Laissons-lui. Il me faut d'autres réponses.
Nouvelle région. Ah, ok. Nouvelle région déverrouillée. Appuie sur elle. Voir le même cut. Quête d'Arachné, un couteau dans la nuit. Hop, on perd pas de temps. Siri Tingle. Siri Tingle, ok. Annexe de nombreuses informations concernant, entre autres. Oui, ok. Coup dans la nuit, les armées des Seritungol se rassemblent avant l'assaut final sur Luna City. Arachné détient des informations pouvant permettre de repérer et d'éliminer les chefs de l'armée. Or que tourner la voir d'utiliser l'armée de l'intérieur. Ok. Et moi je voudrais appeler. Ah! Allez voir, il marche! Let's go! Ok, toi je te connecte. Bonjour, je te connais déjà toi. Tac 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 tac. On monte plus vite que ça. Allez. Hop là, ça c'est fait. Tac 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 tac. Ça aussi. Tac tac. Allez. Y'a pas de problème, on continue. Est-ce qu'il va y avoir un problème, ça va être là. Là j'ai l'impression de m'éloigner. Ah non, ça. Tac tac tac, bonjour. Je fais que passer. Je fais que passer, je fais que passer. Vous ne me voyez pas. Tic 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 tic. Hop les. Et hop. Couteau dans la nuit. C'est parti. Pas entier est désormais hors de portée, mais les visions d'Arachné pourront peut-être vous guider. Ok. Le camp a l'air assez calme. Ah ! Purée ! Aïe ! Aïe ! Tiens, Goulou ! Vas-y, je crois, merci. Wow ! Gollum ? Bon ben... Et le gars, trop le guerrier. Ouch. Hop, un bras. Et un hologue en moins. Oh là. Olé. C'était rapide. On a sauvé le maître de lumière. Gollum, pourquoi m'avoir sauvé, dis-moi? C'est pas à toi que je parle, stupide rôdeur. Il œuvre pour cette maudite araignée. Oh non. La terrible maîtresse des ténèbres veille sur Gollum. Gollum veille sur le maître de lumière. Le maître de lumière, tout le seigneur des ténèbres. Et c'est l'araignée qui tire les ficelles. Sauron est son ennemi comme le nôtre. Et on ne choisit pas toujours ses alliés. En route. Viens, maître de lumière.
trouver un chemin plus rapide. Ce n'était pas un simple troll. Ce sont des Ologai, des trolls de guerre. Ils sont plus futés, plus rapides et insensibles à la lumière. Les troupes de Sauron sont plus puissantes que jamais. On les hait autant qu'on hait les méchants orques. On garde nos distances pour éviter d'être réduit à petits morceaux. Comme quand tu as tenté de me briser le crâne avec une pierre lors de notre dernière rencontre. Non, c'est faux. On n'aurait jamais blessé le maître de lumière. On va se rachouter, d'accord? Ça reste à voir. Lol. Je me demande où est-ce que tu m'emmènes par contre. Un Gollum. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu fais des chemins bizarres. Tu es proche, maître de lumière. Très proche. Proche de quoi? Ah! Je sais ce qui vous amène. Rends-nous ce que tu as volé. Silence, créateur. Tu n'as rien à dire. Volé ? Il m'a supplié de le prendre. Et toi, que veux-tu, Talion ? Je suis là pour Minas Sithil. Tu désires la sauver. Mais elle a peut-être déjà sombré. Tout n'est pas encore perdu. Tes visions disent vrai. Offre-moi une autre. Dans quel but? Pour savoir? Pour dominer? Oh, inutile de me répondre. Vois ta vérité. Tu veux monter en grade, il suffit de tuer. Tu veux te faire remarquer, tue un beau rose. Plus ta cible sera grosse, plus tu monteras haut. Ok, il y a quelqu'un qui va se faire tuer. Idril. Elle meurt. Beaucoup mourront avant la défaite de Sauron. Alors il faut agir en conséquence. Si nous tuons l'assassin, peut-être que ça n'arrivera pas. Elle peut survivre. Elle vivra ou mourra avec honneur sans que la guerre en soit changée. C'est Castamir qu'il nous faut protéger. S'il est victime de cet assassin, nous perdrons le Palantir. On le trouvera précieux pour notre maître. Oui, on le trouvera, le méchant assassin. Oui. Il faut arrêter l'assassin. Gollum, tu sais où le trouver? Oui, on a reconnu sa lame courbée. Une lame de Morgul. Oui, il tue, poignarde tous les gardes du corps. Du chef de guerre. Si nous trouvons les gardes du corps Uruk qu'ils visent, nous trouverons l'assassin. Le premier proche, par ici. Vous approchez pas. Ça a l'air de se fighter. Retourne dans le sol. Prêt à mourir. Ok. Discrétion. Du corps doit être par là. Tu m'as dit que tu avais reconnu la lame courbe de l'assassin. Tu vois donc les visions d'Arachné? Oui, maître de lumière. Ok.
lame de Morgul a pu causer ses blessures. Nous sommes sur la bonne voie. Il est mort depuis un certain temps. Nous devons être plus rapides si nous voulons rattraper l'assassin. Oui, on sait où trouver un autre garde du corps. À mesure qu'il grimpe les échelons, l'assassin cherchera des cibles plus importantes, comme Castamir. Oui, Castamir est le seul à savoir où se trouve le Palantir. Il faut à tout prix qu'il reste en vie. Orientaux, plus étranges encore que les Aradrim du Sud. Mais tout aussi vulnérables aux suppliques de Sauron. Des plaies causées par une lame de Morgul, comme le précédent. Cette attaque est plus récente que l'autre. Nous nous rapprochons. Gollum devrait savoir où est la prochaine cible. Comme si t'étais plus doué que moi. Ces stupides orques ne voient pas Gollum. On se faufile et on entend plein de choses. Tellement concentré sur l'histoire que j'oublie de parler. Tac tac tac. Toi. T'inquiète. Je vais me cacher. L'homme qui a peur des araignées. Prends ça. J'ai perdu un peu de vie, mais bon, ça n'a pas l'air de déranger. Surtout l'assassin, il court dès qu'il envoie. Cesse de bouger. Tu me donnes des informations très utiles, Gollum.
reste ici. Je peux le trouver seul. Voyons un peu ce qu'il sait. Je te commande. LOL. Ashgard l'assassin. Père des mouches de mort. Elle a peut-être cette peur pour annuler temporairement toute immunité dont il pourrait bénéficier et utiliser cette formation à votre avantage. Ok. Toi, tu vas prendre cher. Bien sûr, je te tue après. L'assassin est proche. Il est là. Ashgard. Ashgard est là. Ok. Tac. Je pense qu'il sera facile à tuer. Atteignez l'assassin. Facile, je sais de guerre ne vois rien. Ça ne m'étonnerait pas que le Seigneur des Ténèbres me remercie d'avoir tué ce club et pris sa place. Je serais beaucoup plus doué que lui pour envahir Midas City. Je compte bien exécuter les ordres. Si tu penses pouvoir m'arrêter, prépare-toi à une grande déconvenue. Je meurs. Mortement tué par les mouches. Non, me fais pas de câlin, toi. Pour vous, sa mort change la vision d'Arachné pour Minas Sithil. Minas Sithil retournera à la poussière. Seul importe la pierre de vision. Ose me dire que l'anneau n'a pas eu raison de ton âme. La maîtresse des ténèbres sera contente. Yeah, fini, allez. La concentration que vous aurez vue dans cette vidéo, menace de mort. C'est génial. Idril et Castamir devraient être en sécurité. Mais le siège de Minas Sithil se poursuit. Amour de Meloroyen. Peut encore tomber aux mains des... Alors, montre-moi ça. Amour de Meloroyen. Ouh, stylé, mais... un petit peu moins de... Un peu moins... Ouais, voilà, tu as compris. Chut. C'est une chose. Ah, j'ai pas besoin de le voir. Passer les lignes ennemies. C'est le moment idéal pour semer le chaos dans les rangs de Sauron. La tuer le dernier garde du corps du chef de guerre. Moi, c'est pas tout ça, mais je pense qu'on va s'arrêter là hein. pour ce deuxième épisode de l'ombre de la guerre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like.